s'accale à toi. J'ai mieux que chaque information crédible que la garçon. Et ça n'est ni la main autonomie. Ah, Rostom, la carte à l'homme. Merci TV 243. Bon s'abonner massivement pour en profiter. Nabilengia Merci TV 243. C'est une occasion. Le consulter. Merci TV 243. Là où moi je dors. Là où moi je me passe. Là où moi je mange. J'ai tout fier de ça. Papa, maman, je vais capable de la pino. Ma s'abonner. Awa. Ma camoufle soit bien, ma mission y a bien, ma fille ma bien, ma gaga bien, ma mission y a bien, ma loubou y a bien, Nyonso y a bien, là où moi j'ai dans. Bah tout tout abonner na bah tout même bah s'abonner, tu fais bah s'abonner na Max TV 243, bah s'abonner quand on sait jamais. Nan tout à temps Georges que tu bah fille beau s'abonner, nan tout à temps du bébé na Max TV, bah s'abonner. Bonjour, bon après-midi et bonsoir, chers internautes. Cela dépend de vous nous capter. Bienvenue sur Max TV 243. Moi, c'est Milestone. N'est-ce pas le bar à toujours déporter vos alliés. En tout cas, merci. Merci pour notre soutien, Nabino. Merci pour la fidélité, Nabino. Et surtout, merci. Merci pour notre feedback, Nabino. Voilà, les lots. N'est-ce pas le bar à toujours déporter vos alliés. Les lots, alliés, mercredi, le 23 février 2022. Toko bête à ma solo, comme toujours. Voilà, sans plus tarder, tout le canal, titre, Nabino, il y a les lots. Crise à l'île de Pest, la Ligue des femmes désavoue Victor Wakwenda et exige son départ de la convention démocratique du parti. Affaire prix de surgelé, l'État s'est fait commerçant en important lui-même le produit. Le résultat, vous le connaissez, inutile d'en dire plus. Albert Yuma. On continue. RDC Ituri, les ministres de la défense annonce la construction d'un hôpital militaire à Roué, où 75 000 déplacés se sont regroupés. Évaluation de l'accord à Addis Abeba, la tête à tête Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix, ce mercredi 23 février 2022. Élection 2023, l'opposition républicaine dit non au glissement. Maître Moutamba, le cabinet de Félix Tshisekedi en séminaire de vulgarisation du budget de la présidence de la République. Mujmaï, pénurie d'eau, le prix d'un bidon de 20 litres passe de 200 francs à 1500 francs congolais. Wow! RDC, Félix Tshisekedi échange avec la sous-secrétaire d'État des États-Unis en charge des océans sur la conservation de la nature. RDC, à Goma, Jean-Pierre Lacroix a fait mention des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF. Et enfin, le député Banzalunda adresse une question écrite à Nicolas Kazadi sur le financement du processus électoral et la passation de certains marchés publics. On continue. RDC.
La Congolaise Marie Dolores Mabuila, parmi les lauréates du European International Women Leadership Award 2022. Ituri, accusé de détournement et d'outrage à la justice, le directeur de la DGAPI poursuivi à l'auditorat militaire supérieur. Ituri, arrestation des 12 présumés bandits à Bunia. Rapidement, tout ça, la commentaire, on a battu très bien sur crise à l'IDFS. Donc, on a dit que Jean-Marc Kabunda Kei, crise et cilité, mais crise et cilité, parce que, oh, on a dit qu'on jouait rôle, il y a président, il y a commission, il y a convention démocratique, il y a parti, il y a UDPS, on va bien dans Monsieur Victor Wakwenda, Ligue des femmes, il y a UDPS, parce qu'on exigeait départ, na immédiat. On va bien, ça qu'on combattre, mais qu'on dit, bon, il y a parti, le parti, il a une année à l'élection, lui, il vient encore créer des autres dans le cadre de parti, parce qu'il demande à ce que toutes les décisions prises par le directoire, il y a Jean-Marc Kabound, ils ont annulé. Alors, le dame, c'est une conférence de presse Nabango par la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, Madame Christine Mansoni, oui, je pense que Madame Christine Mansoni, qui a essayé un peu d'expliquer, et elle pense que la Ligue des femmes pense qu'il doit partir et laisser le parti. Albert Yuma qui parle sur le surgelé, tu as eu un peu de gars qui n'a descendu sur le poisson surgelé, Piodi, Mipandi et tout. Albert Yuma se pose la question, mais il ne comprend rien, le climat des affaires, Azali morose. Incertitude des alliés et le ministre de l'économie a censé réguler le marché à comme importateur Yemoko et les opérateurs économiques ont été diabolisés. En tout cas, ils pensent que le ministère doit revoir un peu politique naé, il y a économie vis-à-vis, il y a opérateurs économiques nationaux ou internationaux. Et ils pensent que le climat des affaires n'est encore pas propice pour attirer les investisseurs extérieurs. Voilà, donc ils ont interpellé le gouvernement. Et ils parlent aussi de beaucoup de choses sur l'endettement avec les institutions internationales. Ils parlent, ils disent qu'on ne peut pas continuer à vivre avec des dettes, mais on doit voir comment s'en sortir. Mais on dira, mais ils ont été aussi au pouvoir. Bon, on ne peut que faire des leçons des fois aussi. Hein. Bon, voilà, on continue. Cabinet de Félix Tshisekedi en séminaire de vulgarisation du budget de la présidente, à la présidente de la République. Siko va comprendre que non, il faut vulgariser budget à président de la République, dans le cabinet, parce que tout le monde a toujours un dépassement, il y a 200%, 300%, malgré Gilles Alingué a défendu que non, ils ont signé la gestion, mais je pense que cette fois-ci, ils ont compris qu'ils ont signé la gestion parce que la Cour de compte a tranché, il n'a pas oublié qu'ils ont signé la gestion. Donc voilà, ils ont compris maintenant et ils sont en train de vulgariser la discipline budgétaire dans le cabinet. Il y a Mokondi, il y a Mboka, ce qui est une bonne chose. Nambujimai, Penerido, Mai, Passi, Nambujimai, Passi, Yako Saranate. Bidon, il y a 20 litres comme il y a 200 francs, 1500 francs. Vraiment, tu as aussi à côté, il y a Mokondi, Mboka, Batala. Qu'est-ce qu'il doit faire? Nagoma, Pekuna, non, on parle de l'Ituri, Bakani, Bandi, présumé Bandi. Au bazar qu'on dérange la population qu'on a en Haïti, en tout cas, ma pinga bate, ma boko, le colon à bango. Et dans le niveau de la Congolaise, au Azali, parmi les lauréats, il y a l'Union européenne, à ça, là-bas, organisé European International Women Leadership 2022. Au Azali, candidat, il y a candidat, il y a candidat, il y a lauréat, il y a un qui a gagné, en tout cas, il y a un malade. Voilà, tout ce qui est sujet, monsieur Alilo. L'union sacrée vers l'explosion. Élection de gouverneur divise. C'est vrai. L'élection divise parce que, bande qu'on a mis sur l'union sacrée, il y a une vision à chef de l'État, c'est l'union sacrée. Il y a une réunion, 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 il y a une réunion sacrée. Et alors, il y a une élection, il faut organiser. Dans le mois d'avril, il y a un gouverneur, au moins 13 provinces. Ils ont signé un gouverneur et ça, la manie. Ça, il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur qui est destitué, la destitution, c'est la manie qui est belle instabilité. Dans le niveau, il y a un gouverneur, un gouvernement provincial, en tout cas, c'est terrible parce que ce qui fait que tu as vu comment il peut permettre le développement. Il y a Mboka parce qu'avec ce projet à 145 territoires, avec instabilité, il y a un gouverneur, en tout cas, les alliés provinciaux, les alliés vraiment très difficiles. Alors, il y a 13 provinces, les alliés, il faut organiser l'élection au mois d'avril. Alors, il y a un sacré, il y a un ticket, il y a un ordre dispersé. Alors,
Union sacrée dans la structure, nango, ils ont maintenant piloté cet hôtel, c'est pas officiellement encore on commence, ils ont piloté par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, et président du Sénat, l'honorable Bati, sénateur Bati, et le premier ministre, et Moko Samalokonde. Ils ont dirigé, en voir comme ça, en réalité, ils ont dirigé, ils ont piloté Union sacrée. Alors, comme toujours, trouve le moment de l'élection, c'est qu'il faut que ça la liste que proposer par candidat. Autant la nette au Kenya, alors de disperser les choses qui ont gagné, bah gagné bah gouvernera na bango wana nyoso. Mais malheureusement, Mosaïque y a peu perdu au bazar ta Union Nakati a Union Sacrée, baza très mécontent parce que bah moni que non, il y a une discrimination, baza considérée, baza rejetée. Alors bazo senga intervention personnelle ya yimoko mokonzi mboka pour ya ko trancher parce que pour eux ils disent que non. Mokonzambo, il n'y a pas de vision à Mokonzambo, il a la seule autorité morale, il a la seule autorité morale, il a la les autres ne peuvent pas décider en lieu et place, il y a Mokonzi, il y a Moka. Alors c'est pourquoi, dans cette répartition, il y a une liste qui circule dans les réseaux sociaux, et dans cette répartition, et c'est avéré que non, UDPS a eu cinq gouverneurs, n'a trois vice-gouverneurs, et a des AFDC, il y a Bati Lukwebo, bango bazui gouvernora moko na 5 vice gouvernora et les autres ba leli ba non, ça ce n'est pas normal, ça c'est de l'injustice. Alors ils veulent que le chef de l'État intervienne de sorte que non a apaisé ba tractation wana. Mais ce qui est vrai aussi de éviter qu'est-ce qui se passe dans la réunion sacrée parce que structure en haut et ali ndenge nini qui dirige qui, parce qu'à l'époque il y a Jean-Marc Kabou, il faisait le poids, il y a t'as perdu au bazar Kuna. Et maintenant malaise Oyo, bah tu as peu perdu, se trouve en tout cas abandonné et il se retrouve pas, bah, mais ce qui baya qui n'est nul, c'était pour défendre les intérêts de la vision du chef de l'État. Et la chef de l'État, c'est la cohésion, c'est l'unité, c'est le partage égal. Mais on comprend comment bah on va ça exclut pendant que ça la socle, il y a Union sacrée, bah ça force à Union sacrée. Alors ils se sentent fragilisés. Il y a aussi une intervention, il y a mon conduit à Mboka. Donc, maintenant, il y a Augustin Kabuya, c'est parmi les tractations, il y a Augustin Kabuya, Samalokonde, Bati Lukwebo, dans le président Mbosso, ou le président de l'Assemblée nationale. Mais alors, il y a aussi un problème. Il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'unité. Et d'ailleurs, ce n'est pas du nouveau, parce que depuis qu'à la Batonie, qu'on décrit que l'Union sacrée, ils ont une structure, ils ont stabilité dans le sens qu'il n'y a pas une structure, ils ont dirigé Bango. Il n'y a pas une discipline, il n'y a pas l'ordre Moutou à travailler, à l'ordre dispersé. Alors, ils ne savent pas qui. À l'époque, il y a Jean-Marc Kabounde, il semblait maîtriser les gens parce que, bon, Bika Nengi Azalaki, on peut pas accuser qu'il défendait plus le cacique qui a peu perdu. Mais maintenant qu'il est parti, c'est comme si, surtout en fait, ça guerre de positionnement, Nana Okomanani, et voilà, qui va représenter. Bon, qui sera l'autorité morale entre guillemets, parce que l'autorité morale est Saïmo Mokonzamboka. Donc voilà, la situation dans laquelle il y a l'Union sacrée, c'est un peu inquiétant parce que, inquiétant de la situation, parce que ce qui gronde côté dans laquelle l'Union sacrée, c'est qu'on déstabilise l'institution, Yamboka. Mais au peut être yébi, à ta gronde côté, et ça a façon de bon, yago le blabouba, bayago talabango. Donc tu es bien système donc gros niveau les avant mon gungu ya pamba bon ne pas ça la rare mon que nous allons perdre l'avantage exacte. Alors qu'est-ce qu'il faut, bah créer comme situation où il peut permettre bango bah porter regard sur bango et bah en chair na bango de sorte que bah se retrouver peu na carte. Donc tu es bien système de ça la rare, donc on connaît rien de nouveau. Donc tu es bien qui t'a mon conseil moi sur na bango quand on va donner des propositions, quand on va faire des, on va donner un peu d'argent et ça va se calmer. Donc je pense que il faut intérêt à Mboka et Zalibosso. Alors, des bonnes personnes, compétents, diriger, il faut toute la loi, toute la vision de Mboka, toute la caisse, où est-ce qu'on veut aller? Parce qu'avec ces projets à 145 territoires, ceux qui ont battu, il y a pas de bons dirigeants, il y a des gens qui avec les 145 territoires. Parce que malgré les 2 millions de dollars qu'on attribue à chaque territoire, ils ont un peu belété. Alors, ce que tu as un gestionnaire à bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est déjà le montant est insignifiant. Pour ça, les lots, ils ont payé un stade, mon hôpital. Fini, hein? Combien de kilomètres de route n'a habité? Donc voilà. Donc, on sait qu'il n'y a pas la plus d'intérêt. Il y a Mboka qui n'a pas la plus d'intérêt. Personne. Donc, c'est pourquoi on parle de la méritocratie. Pas la méritocratie, mais la méritocratie, mais tu as mérité.
méritocratie ba technocrate parce que mboko ezana ko zinda alors singa bato baza compétent bato baza maye bana bonne bana intégrité bato la moralité pour ça la musala. Voilà, c'était un peu de notre émission mais il y a une sacré en tout cas ça bouge là-bas, ça marche pas donc tu y a peuple de rejeter ba en bloc de bazo reconnaître moi tant de produit que non soit qu'il y a des élections en tout cas ça va pas aller donc il a communiqué l'ambassadeur qui lui a dit il condamne Batuti Douana qui s'appelle qui dénonce le caractère discriminatoire népotique et égocentrique. Il y a liste où il est quelqu'un d'autre. Voilà, ils appellent à l'intervention personnelle à Mokonza Mboka à intervenir. Ah, il faut que Mokonza Mboka intervienne. Il faut que les structures elles aient très bien intervenu. Les autres que non. Mokonza Mboka, mon amarame, c'est celui-là beaucoup à faire pour Mboka Mboka dans la passe. Moyen parce qu'on règle la divergence, la binôme, c'est pas aussi bon. Voilà. De la deuxième émission, les amis, élection 2023. Il y a eu polémique entre le ministère de la Finance, na CENI et Salaki Malamouté. Et on a aussi vu la position du gouvernement sur la mutualisation des opérations, mutualisation des opérations enrôlement et identification ou recensement des Congolais. Alors, elle crée polémique et discrédit même la CENI sur le plan de la finance. Et CENI se sentait qu'il y a un peu, c'est comme si on va perdre autonomie na bango financière et y a autonomie normale, il y a institution na bango. Et ça crée des malentendus, malaises. Alors, il fallait que le chef de l'État intervienne lui-même personnellement. Il ne va pas me dire qu'il a intervenu. Ah, ce n'est pas possible. Donc, on a intervenu qui? Alors, il y a eu une réunion lobby. Ozaki dirigé par Yemo Mokondia Mboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, et faisant partenaire de René Zaki, il y a membre de CENI, il y a gouvernement, ONIP, il y a membre de l'Institut national de statistiques. Dans la réunion, on a, et alors, selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, il dit il y a un obstacle, il y a un problème de mutualisation, il y a une opération sur enrôlement et identification des Congolais, au recensement, si on appelle comme ça aussi. Alors, en tout cas, Babi, c'est l'échange, et au vu de tout ça, tout le monde est sorti apaisé, ils ont compris qu'est-ce qui peut se passer dans la mutualisation. Et d'ailleurs, après réunion Wana, membre assigné par le vice-président Madira, je pense l'honorable Madira, il a confirmé que non, il a confirmé que non, en tout cas, la CENI a gardé autonomie naïe, financière et mutualisation de l'enrôlement et de recensement de la population sera faite d'une façon normale. Donc, ils ont compris le mécanisme et la stratégie sur le terrain, de sorte que nos opérations et salement convenablement et comme il faut. Maintenant, si on doit revenir sur le fonctionnement, il y a financement, il y a CENI. On retient encore le sous-dose, la carte, si réellement le gouvernement a décaissé combien pour la CENI. Parce que confusion, on a jusqu'à présent, et donc on a noté. Parce que le ministère de la Finance, il avait dit qu'il avait déjà décaissé à l'auteur, il y a 37 millions de dollars on va décaisser pour la CENI. Et ils ont décaissé plus de 10 milliards pour la 10 millions pour la barrière. Il y a des gens et 2 millions de dollars pour le fonctionnement et ils ont encore financé pour les opérations électorales. Selon le ministère de la Finance, c'était fait le 11 février, le 11 février 2022, mais tout le monde a dit le 15 février 2022, secrétaire, il y a Patricia Ntia, il y a CENI, Ayaki, comme ça, l'a demandé. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Et encore, ce qui est encore plus grave, c'est ça, au dépitant, avec ça, la conférence de presse, d'abord, ils ont étalé les membres, parce que nous, selon les données, il y a un ministère à plan, le gouvernement a décaissé 100 millions de dollars dans la CENI. Alors, il y a un écart de 63 millions de dollars au Balingaki gouvernement, ministère à finance, a justifié pourquoi ce grand écart. Mais jusqu'à présent, il y a une confusion, il y a un financement, il y a CENI, parce que tout ce qu'on connaît que non, dans le budget passé, le gouvernement avait réservé 100 millions de dollars déjà pour l'opération élection 2023. Alors, mais selon l'ODEP, il va dépenser 100 millions de dollars. Mais entendre le ministre de la Finance, il va décaisser 37 millions de dollars. Alors, ton avis, la vérité, c'est quoi?
Qu'est-ce qui se passe réellement? Comme ça, tu as dit, parce que c'est très important, tu as si réellement, des caissements à 100 millions et salamaki, vrai ou faux, est-ce qu'au départ, tu as dit, 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 ministère as budget, tu as dit, câbles as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, certains câbles tu as dit, tu parce que c'est très important. Parce que 2023, il y a quelques pas. Alors, il faut que vous ayez l'élection. Et en plus de ça, le gouvernement est signé après René Wanan. Le gouvernement est signé qui va passer un rapport détaillé, raisonnable. Un budget raisonnable pour l'élection. Jusqu'à présent, le gouvernement a convaincu que non. Au vu du cycle électoral, au Lekin à Congo, il faut que vous ayez quand même. Le coût électif sera quand même raisonnable par rapport à l'élection passée. Et en plus de ça, on ne connaît pas. Tout le monde a dit que le Seigneur a une opération d'identification. Il y a Jean Naé, avant ça, l'identification, il y a matériel. Qu'est-ce qui est en bon état? Parce que tu as une machine à voter. Tu as une machine à voter, tu as changé le système à vote. On doit se comprendre ça. Combien de machines à voter sont encore en bon état? On doit aussi savoir, tant on a accueilli à Tiki, mobile, véhicule, boni nanga à Tiki, bureau à nanga à Tiki. Parce que ce que l'on va aussi faire, c'est un véhicule pour l'opération. Il faut que ceux qui n'ont pas même véhicule, alors il faut justice et l'année de la banque. Parce que continuité de l'État. Il faut que les gens ne soient même bon, bureau, c'est l'État qui est le gouvernement, tu as eu un peu de sous zéro. Non, c'est pas sérieux. Il faut rigueur et dans la gestion, il y a choses publiques. C'est pourquoi on a besoin de la justice, de l'intégrité. C'est pourquoi aussi je n'en rejoindrai Gilles Linguette étant avec nous, nos politiciens congolais, les dirigeants, les leaders congolais ne résistent pas au dollar. Il faut un sursaut patriotique parce que, et comme une culture, ça va dire la corruption. Le vol, détournement. Ce n'est pas sérieux. Quelle république est amoureuse? Détournement sur détournement. Mbou cannabis, comment ça? Détournement sur détournement. 5 millions de dollars, il va 100, 200 millions. Les gens qui partent comme ça, toute une administration qui part, et bah, tiki est l'autre côté. Ce côté, il y a cellulaire, combien de téléphones ils avaient? Tiki, parce que tant que c'est l'opération électorale en 2018, moyen de communication. Faut tout y aller. C'est pourquoi il fallait parlement. Tant que vous avez déposé un rapport, il fallait parlement et questionner le rapport. Ils n'ont pas fait ça. Parlement a raté ou pas raté l'opportunité. Il a posé une question. Il a dit patrimoine, patrimoine, il y a CENI. Malheureusement, député nous réitérons notre loyauté au chef de l'État. Loyauté. Mais loyauté faut un peuple, pas un chef de l'État. Le chef de l'État pour une communauté. Honorable député, loyauté faut un peuple, un chef de l'État. Le chef de l'État a voté à binoté. Tu as voté à binoté, pour le chef de l'État, tu as voté à binoté. Faut un loyal et pas un abisso. Et la façon d'être loyal et pas un abisso, c'est que tu as mis beaucoup de malam. 3 ans, c'est l'État qui a mis beaucoup de malam. Vous ratez même que tout le monde a un patrimoine à Séné Zawad. Vous salité. Nous réitérons la loyauté au chef de l'État. Est-ce qu'il va destituer le chef? Non, la destituer le chef de l'État. Non, la loi destituer le chef de l'État. Loyauté, vous avez témoigné pour mon compte. Non, la longue lié, non, la longue lié, non, la longue lié, lié. Et l'autre, vous avez loyauté, vous avez dit que le corbeau et les renards. Assemblée nationale, ça sonne. Vous rappelez ce qu'il était parce que. Assemblée nationale, c'est la moussa la moté. Il y a un peu de rappel de la tête. C'est le cerveau, c'est la clé, c'est le cerveau. Assemblée nationale, c'est le cerveau. Vous contrôlez le gouvernement, l'action du gouvernement. Vous votez la loi, l'initiative, il y a bien parlementaire, il y a bien. Vous incitez, des bonnes lois, loi vous incitez, opérateur économique, il y a bon apaiser le secteur économique. Santé. Nous que bel et les alliés mais bozo au sala rien. Bino kaka, nous retirons la loyauté au chef de l'État. Ah, mon cannabis.
parlementaire. Mais comment l'Europamba? Parlementaire, c'est l'Europamba. Ce sont des crânes. Bah, c'est ceux qui réfléchissent. Ceux qui permettent le développement du pays. Mais non, c'est pas le, tel n'est pas le cas dans le Congo. Le Congo, donc, c'est de l'anarchie, c'est de la médiocrité. Voilà. Je l'ai dit avec le mot médiocre. À l'époque, Femo Sengwa Bengaki, régime Akabila médiocre. Et mais la médiocrité continue jusqu'à présent. La médiocrité continue jusqu'à présent. Malheureusement, le pays est dans le gouffre. Voilà. Nous devons faire un mot au Congo et à Bissau. Congo et à Bissau. Et à Bissau, en tout cas, tu sais, dans la bino, Boibaki. Affaire RAM. RAM pays, Awa. À partir du 1er mars, RAM est supprimé. Mais bon, supprimer RAM. Mais beaucoup rembourser Batoubambon au besoin qui t'ôte. Parce que Bimi à la lumière des gens qui non, ils ont escroquerie. Bon, escroquer population. Gouvernement escroquer population. Naïe. D'ailleurs, certains l'ont appelé le banditisme fiscal. Parce que vous avez raison que ça. Parce que vous reconnaître non, ils allaient illégal pour les appeler traçabilité. Vous avez besoin qui combien pour affecter qu'on a nini et ça les nini. Ils ont traçable été. Ils ont traçable, c'est du vol. Parce que ma recette, nous, c'est à l'État, ils ont traçable. Ma source, nous, c'est revenu à l'État, il faut être traçable. Mais ce qui est bizarre, est que RAM, ils ont traçable été. Na budget, ils ont été. Budget annexe, ils ont été. Ils ont place mon côté. Tu as mis mon côté combien, et que ouais, malgré que c'est géré à la présidence de la République, personne ne fera des comptes. Personne ne fera des comptes. Parce que le ministre, il ne gère pas ça. Alors, il faut que les institutions, ils ont géré RAM, ils ont rendu compte de combien ils ont gagné, combien, comment ils ont utilisé l'argent, qu'est-ce qui est resté. Bonjour, c'est la bonne là-bas. De l'escroquerie pure et simple. Quel état, qu'est-ce qu'on son peuple? Mbokanini, oyo, escroquer le peuple naïe. Ah, quel peuple! C'est pas possible. C'est malheureux, c'est choquant, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Parce que quand on conçoit, quand il n'y a pas une bonne politique, bon, ça va tâtonnement. Mais U-turn. Parce que bon, c'est pas très bien conçu. Ça n'a pas été très bien conçu. Et qu'est-ce qu'il fait à la dernière minute? On fait le U-turn. Et quand on fait le U-turn, c'est, il faut besoin de cette monde là-bas. En réalité, ce gouvernement doit tomber. Le gouvernement doit tomber, ils ont escroqué les gens. Donc, dans ce parallélisme, il y a Zaka Okabila qui bisso dans ma passeport au Pesikoyo, administration Fachi et les bisso na RAM. Donc futa Joseph Kabila mon on a ma passeport, ce que tu futu régime il y a Félix Tshisekedi na ma RAM, malembo. Tout ça total, je pense que oui c'est tu vas kangama Nicolas RAM. Il y a parquet, moi qui va kangaki. Et les autres sont qui voilà. Donc, la seule mission de l'Obara, au nom de la République, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que donc, on est là pour tous les gens qui ont dit que nous avons dit que nous avons contre nous tous. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous centre. C'est quand il faut dire rouge, c'est bleu, c'est bleu. Donc, on ne devrait que dire la vérité. Voilà, on a dit que la République, donc, ce qui va nous dire prochainement, alors, toutes les bonnes choses. Kutanabino, lobby, négat, mais c'est là, Kutana, Wananganabino, Tukabwani, et bye bye. Tout ce qui est en régie, à Katabiso, tout ce qui est pour Nalelo. Je ne lui fais qu'information crédible que la garçon. Et ça n'est ni la main au binomi. Ah, Rostom, n'a pas de la Mobimba, ce qui n'a pas monté dans une vérité, moutou n'a rien n'y a. Bonico, moutou n'a rien n'y a, les vérités à mon corps. Total à qui, Toyobe qui, ton monaki, la vérité à son nom. Max TV 243.